critique de la théorie de Darwin d'un point de vue islamique. La théorie de l'évolution de Darwin est controversée d'un point de vue islamique, car elle suggère une ascendance commune entre les humains et les singes par sélection naturelle. En revanche, l'islam croit qu'Allah a créé les humains, avec Adam étant le premier humain créé à partir d'argile. Les savants islamiques s'opposent à la théorie pour sa contradiction avec le Coran. Et les critiques scientifiques soulignent des défis tels que le manque de fossiles transitionnels et la complexité des systèmes biologiques. Le Coran contient des versets qui affirment la création des humains par ordre divin, comme la parole d'Allah. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Et sa parole. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. En conclusion, les musulmans peuvent concilier la croyance en la création divine avec l'exploration scientifique, avec l'importance de comprendre les points qui entrent en conflit avec leurs croyances religieuses. Assurez-vous d'améliorer vos connaissances religieuses et scientifiques pour atteindre cet équilibre